Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce sera faire de la musique donc avec un gobelet ou en chantant. Donc on va commencer tout de suite. Donc en premier il nous faut donc un gobelet en plastique. Donc simple, qui résonne. Donc voilà. Par contre, je vous donne un conseil, ne le faites pas donc dans l'herbe ou sur du béton, donc dehors, car ça ne résonne pas. Donc faites-le, moi je vous conseille de le faire donc sur du bois, une table en bois avec un gobelet en plastique. Donc voilà. Donc on va commencer. Donc on va taper deux fois dans les mains. Après, bon, je vais vous le faire à la vitesse normale. Et après je vous en prendrai. Donc voilà. Donc en premier, nous allons faire deux tapes en main. Trois comme ça. Trois tapés sur le gobelet, quoi. Par contre, ne faites pas comme ça. Comme ça. Il faut bien que nous entendons donc les trois coups. Donc voilà. Il faut bien que nous entendons les trois coups. Donc. Après, ça fait. Donc on tape deux fois là. Trois fois. Et une fois. Après, nous décalons notre gobelet. Donc, ça fait des bruits, hein. Nous retapons dans les mains. Donc. Donc, voilà. Après, nous le prenons. Donc, ça fait. Donc, voilà, comme ça. Donc, après, nous allons taper le bout ici. Donc, comme ça. Donc, ça fait ça. Donc, comme ça. Et là seulement, nous allons faire. En fait, ça fait. Ah, je sais pas. Non. Donc voilà. Donc on est comme ça, on le prend, on tape le bout, donc le petit bout de là. Donc il devrait rester un espace ici. Entre là et là, un espace. Donc le bout, et comme ça, hop. Donc en tout ça fait ça. Donc n'hésitez pas donc bien à taper donc ici, à l'arrière du gobelet, et non pas au devant, parce que sinon ça ne marche pas. Donc voilà. Donc il faut bien que nous entendons le bruit. Donc voilà, là. Donc on tape et hop comme ça. Donc on va reprendre depuis le début. Donc voilà, donc en chantant, voilà, donc je vous ai appris à faire de la musique, donc. Donc voilà, comme ça, donc j'ai appris il n'y a pas longtemps. Donc maintenant, en chantant, donc je vais chanter Hop Hop Opéra. C'est les leçons d'histoire. Je recommence parce que je ne me suis pas concentrée. C'est les leçons d'histoire, c'est les opéras. Nous jouions tous les rôles, les madames et les rois. La pleine voix, c'est magique l'opéra. L'orchestre s'installe dans la fosse. Le chef est déjà là. L'ouverture des rideaux. Voilà. Donc voilà. Donc après, il y a j'aime quand ça swing. Donc c'est les deux parties. Donc j'aime quand ça swing dans sa claque des doigts. L'orchestre se remue aussi à l'opéra. Une contrebasse et un cerceau. Une belle guitare et un piano. J'aime quand ça swing dans sa claque des doigts. L'orchestre se remue aussi à l'opéra. Une contrebasse et un cerceau. Une belle guitare et un piano. Donc voilà, sinon, à la place de taper sur le gobelet, il y a ici. Donc ça fait. Donc trois fois. Donc ça fait. Donc voilà. Mais moi, le plus facile, c'est. Donc voilà. Donc si vous voulez. Donc je vais réessayer. Donc je vais rechanter donc une autre chanson. D'habitude, c'est une chanson, mais je n'arrive pas à la chanter. Donc en faisant, c'est la vraie chanson, donc avec le gobelet, mais je n'arrive pas à chanter. Donc j'en prends des celles que j'apprends donc à l'école. Donc je vais chanter La Petite Fille.
C'était toujours la même mais on l'aimait quand même. La fuyait l'autre fois qu'on jouait tous les trois. On était mal à ville, elle était difficile. La feuille de l'autre fois qu'on jouait tous les trois. Éléonore a quitté la maison en portant le diapason. Depuis ce jour, nous n'accordons plus nos violons. L'un après l'autre, nous nous sommes dispersés. La fugue seule est restée. Et chaque fois que je l'entends, c'est le printemps. C'était toujours la même maison, mais quand même. La fugue de l'autre fois qu'on jouait tous les trois. On était mal habile, elle était difficile. La fille de l'autre fois qu'on jouait tous les trois. Souviens-toi qu'un violon fut jeté sous le sol, car c'était toujours le sol qui gênait Nicolas quand il était molle. Quand les voisins commençaient à manifester, c'était l'heure du goûter. Salut Jean-Sébastien, à jeudi prochain. Donc voilà, je vais vous réexpliquer depuis le début et cette vidéo sera finie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo donc, vous aura plu et n'hésitez pas à mettre un j'aime, donc voilà, et non pas ça. Et n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas non plus à mettre un commentaire. Bye!